Des frères et des sœurs avec oui, dans la croix, d'être ensemble, de prier le Seigneur, de se dire un petit bonjour. Si vous savez le plaisir que ça peut faire, un petit bonjour. Dans la gloire, Seigneur. Alléluia. D'avoir cette communion fraternelle. D'ailleurs, même le psalmiste l'a dit, qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer amen. Ensemble. Amen. Amen. Car c'est là que Dieu envoie la bénédiction. Amen. Et on le sait que la bénédiction, elle n'est pas simplement dans un bon messager, ou dans une bonne organisation, non. On le sait que c'est une fois qu'on est réunis que Dieu nous bénit. Alléluia. Mais le vrai texte dit pas demeurer ensemble, mais il dit vivre ensemble. Et pourtant, on ne vit pas ensemble. Demeurer, c'est ce qu'on va faire là. On va demeurer une heure et demie ensemble. Et chacun de nous, on va repartir. Et vivre ensemble, c'est comme si qu'on vivrait chaque jour ensemble. Mais Seigneur, je ne vis pas avec le frère, je vis à Paris. Mais lorsqu'on lit la Bible, alléluia, la Bible dit « Portez les fardeaux des uns des autres. » Alléluia. Aimez-vous les uns les autres. Dieu. Priez les uns pour les autres. Pleurez avec ceux qui pleurent. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. C'est ça, vivre ensemble. C'est de partager ton problème. C'est de me mettre à la place que tu es. J'ai vu des informations il y a quelques jours, et certainement vous l'avez vu aussi. Ils ont parlé de la petite Lola qui s'est fait assassiner. Et puis ils ont fait l'enterrement dans le Nord. Et le journaliste va filmer un monsieur avec sa femme, qui était sur le trottoir. Il dit, monsieur, qu'est-ce que vous faites ici? Et le monsieur, il dit, j'ai fait 300 kilomètres. Je ne connais pas la famille, mais je me suis mis à leur place. Et ça m'a fait quelque chose dans mon cœur. Alors je suis venu les soutenir. Il a fait 300 kilomètres parce qu'il s'est mis à sa place. Et parfois, eh bien, c'est ça. On n'a plus de compassion parce que on ne se met plus à la place de personne. Chacun pour soi et Dieu pour tous. Mais l'évangile, c'est pas ça. C'est vrai, amen. L'évangile, c'est une communion fraternelle. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est pour ça que l'ennemi fait tout pour qu'on se sépare les uns des autres. Vous vous rappelez de Pharaon et sa fille Ramsès? Donne-leur du travail. Parce qu'ils sont nombreux, ils sont puissants. Ils avaient peur du peuple d'Israël. Eh oui. L'ennemi sait que si nous sommes ensemble, alléluia, nous sommes victorieux. Amen, amen. Alléluia. Mais ensemble, pas simplement dans le local. Alléluia, gloire à Dieu, lorsque le local nous rassemble. Alléluia. Mais ensemble, en esprit, en vérité. Corps, âme et esprit. Alléluia. Amen. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Alléluia. Amen. Vous vous rappelez Marthe et Marie, et après on va rentrer dans le message. Marthe, Marthe. Jésus dit, Marthe, Marthe. Et ça m'a étonné, puisque j'ai jamais dit deux fois Raphaël quand Raphaël il est un mètre de moi. Je dis Raphaël et il m'écoute. Mais par contre, si Raphaël il est au bout de la rue, je dis Raphaël, Raphaël, parce qu'il est loin. Mais pourtant, Marthe, elle était à un mètre de Jésus. Marthe, Marthe, pourquoi deux fois le nom? Parce qu'elle était présente de corps, mais loin d'esprit. Loin dans sa pensée. Alors que Marie, non, elle était corps, âme et esprit. Au genou du maître. Alléluia. Oh, vous savez, j'aimerais, avant de prêcher, et j'aimerais être prêt avec vous, on ne peut pas être Marie à l'église et Marthe dehors, ça ne marche pas.
Alléluia, tu es appelé. C'est soit l'un, soit l'autre. C'est pour ça, efforçons-nous à vivre le vrai, à être sensible à la vie de l'Esprit. Alléluia. Et j'aimerais ce matin vous lire un verset dans la parole de Dieu. Alléluia. Et ensuite, on va prier le Seigneur. Amen. Et je crois que chacun d'entre nous, ce matin, nous sommes venus rendre un culte d'adoration à Dieu. Alléluia. Et nous sommes venus louer et adorer l'agneau de Dieu. Amen. Alors, j'aimerais lire avec vous dans 1 Pierre. Alléluia. Chapitre 1 et au verset 3. Il dit, « Béni soit Dieu, le Père, notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. » Écoutez ce verset, verset 4. « Pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui par la puissance de Dieu a été gardé par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. » Alléluia. Amen. Pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Alléluia. Amen. Et j'aimerais qu'on prie le Seigneur avec le frère qui est ici, serviteur de Dieu. Amen. Amen. Tu pries le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Et ce matin, par la grâce de Dieu, j'aimerais vous parler de cet héritage que Dieu nous a donné. Amen. Je connais plein de familles qui ont un héritage et qui l'ont gardé. Certains une bague, certains un terrain, certains un tableau, certains un petit souvenir. Mais il est précieux. Peu importe ce que c'est un héritage. Et cet héritage, parfois, il se transmet de père en fils. Et puis, c'est dans l'instinct, vous le verrez. Un jour, j'ai écouté mon beau-père venir derrière l'estrade, c'est un pasteur. Il a dit, j'ai pas de terrain à laisser à mes enfants. J'ai pas d'argent, j'ai pas d'or, j'ai rien, mais je leur laisse la Bible. Alléluia. J'ai dit, Seigneur, même ta parole est un héritage. Alléluia. J'ai vu aussi un père travailler toute sa vie. C'était un bon économe. Il aurait pu s'acheter tout ce qu'il voulait. Mais il voyait son fils grandir et il aimait son fils. Et par amour pour son fils, il s'est privé à lui, il a dit, tout ce que j'ai, je lui donnais. C'était un héritage. Et l'héritage, lorsqu'il est dans notre cœur, il est précieux. Par contre, j'ai vu des familles se détruire pour un héritage. J'ai vu un père renier sa fille pour un violon. Parce qu'il lui a volé l'archer qui valait une fortune. J'ai vu deux frères pas se parler pour une gourmette pendant 20 ans. L'héritage qui détruit parfois. J'ai eu des problèmes d'héritage de terrain, des sœurs qui ont grandi ensemble, pu se parler à cause d'un terrain. Parce que l'autre le voulait, l'autre le voulait, et l'autre le voulait aussi. J'ai vu que l'héritage peut ramener réellement un enrichissement, comme parfois cette destruction et le laisser aller. Certains l'ont dissipé, on le sait, je ne rentrerai pas dans ce message, comme le fils prodigue, qui a dit « Donne-moi tous mes parts, donne-les-moi ». C'est pas qu'il a voulu la mort de son père parce qu'il fallait qu'il meure pour qu'il ait sa part. Mais il est en train de dire à son père, je reviendrai plus mon père. Même quand tu seras mort, je reviendrai plus. Je pars loin. C'était ça dans son cœur. Mais nous avons reçu un héritage et il vient du ciel. Amen. Il ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il est dans notre part. Amen. C'est quelque chose de merveilleux, parce que des fois on se dit, mais je suis pauvre. Pourquoi Seigneur, moi j'ai pas ça, j'ai pas ça, j'ai pas ça. Et Dieu dans les cieux rigole, il est en train de voir la maison qu'il t'a préparée. Regarde, il voit ton vêtement blanc, alléluia, il voit ton trône, alléluia, il voit ta couronne. Oui, parfois on est pauvre ici, mais on est riche. Alléluia. Nous avons un héritage à garder, alléluia. Ça nous appartient, c'est à nous. Nous sommes co-héritiers avec Christ, amen, dit la parole de Dieu. Et j'aimerais vous parler d'un homme qu'on appelle Abraham. La Bible dit qu'il vivait en Mésopotamie, alléluia. La Bible dit qu'il était riche en or, riche en argent, riche en brebis, riche en serviteurs. Imaginez-vous la place qu'Abraham il a.
il vit en Mésopotamie, c'est-à-dire une ville de savants, comme si je vous dirais à Harvard aujourd'hui, là où il y a les plus grands cerveaux du monde. C'est là-bas qu'on mesurait les étoiles, qu'on calculait les chiffres. C'était dans la ville d'Abraham, en Mésopotamie. Il était riche, il était marié, il avait tout ce qu'il voulait, mais c'était un idolâtre. Lui et son père. Et un beau jour, Dieu va parler. Et il va lui dire, Abraham, le vrai Dieu qui parle, quitte ton pays, quitte ta patrie, et va dans le pays où je te ferai montrer. Mais c'est dur de déplacer Abraham, il a 70 ans, et quand Dieu appelait à l'époque, pas de voiture, pas de train, pas d'avion, moi le frère il nous a invités, on a fait 6 heures de route avec la clim, on était tranquille, mais là il n'y avait pas de clim, c'était eh bien, les déserts, c'était les montagnes, c'était les chemins pierreux, c'était difficile ce que Dieu voulait. Mais pour déplacer Abraham, Dieu avait un moyen extraordinaire. C'est que Abraham n'avait pas de berceau. Et Dieu a dit, je bénirai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable de la mer. Et quand Dieu allait dire qu'il allait lui donner quelque chose, alors Abraham n'a pas vu eh bien, les déserts, n'a pas vu les montagnes, mais il s'est accroché à quoi? Eh bien justement, à la promesse de Dieu. Amen. Et nous, peu importe notre situation, nous répondons à l'appel de Dieu parce qu'il nous a fait une promesse. Il revient nous chercher, amen. Alléluia, amen. Pour nous emmener où? Dans le royaume des cieux, alléluia. Amen. Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Et puis Abraham, lorsqu'il a été appelé, il est devenu un homme de Dieu extraordinaire. Abraham qui ne connaissait pas Dieu, il est devenu un homme de Dieu. Il a obéi à la voix avec Sarah, sa femme, et il marche, et il va en direction du pays que Dieu lui a fait montrer. Il devient un homme qui a des songes et des rêves. Et plus tard aussi, il a la visite de 3 anges, à tel point qu'il devient un homme de Dieu, que l'ange de l'Éternel dit, « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ?» Il est tellement intime avec Abraham qu'il lui dit, je suis obligé de lui dire ce que je vais faire, comme si que Dieu, Jésus, parce qu'au milieu de ces 3 anges, et il y avait Jésus, alléluia, il était venu visiter Abraham et Sarah, avant de détruire Sodome et Gomorre, et là Abraham va préparer un petit repas, un agneau avec du lait et du miel. J'aurais vraiment voulu être à ce repas. Et c'est là qu'il va lui dire, tu auras un fils, c'était la promesse. Mais il y avait une communion entre Abraham et entre Dieu. Alléluia. Ils étaient là, il était devenu un homme de Dieu. Et pendant qu'il attendait la promesse, Dieu va lui donner un fils et il s'appelle Isaac. Quand Isaac est né, c'était la promesse de Dieu. Quand Isaac est né, c'était le rappel de Dieu. Quand Isaac est né, c'était la volonté de Dieu. Je vous pose la question. Quand vous obtenez quelque chose dans vos vies, est-ce que vous vous rappelez que ça vient de Dieu? Ou vous croyez que c'est par nos mérites? Faites attention, c'est Dieu qui a dit à Israël, Israël, quand tu seras dans l'abondance, ne m'oublie pas. Ne m'oublie pas. Quand tu seras dans l'abondance, ne m'oublie pas. C'était le rappel de Dieu. Il savait, Abraham, que tout ce qui venait de lui, alléluia, c'était sa promesse. Et comme Abraham devient un homme de Dieu, alors il a les pensées d'homme de Dieu. Il a la vision d'homme de Dieu. Il a le langage d'homme de Dieu. Et il conduit son foyer, il conduit son fils. Et il est là, et puis Isaac grandit. Et dans chaque ville que Abraham arrive, vous savez ce qu'il fait? Il creuse un puits. Il creuse un puits. Il s'arrête là et il dit, mon fils, aide-moi, mes serviteurs, aidez-moi. On va creuser un puits ici. Et vous savez, creuser un puits, je ne sais pas si dans vos terrains vous l'avez déjà fait. Moi, j'avais loué une maison où il y a un puits. Ça demande des efforts. Ça demande une pelle, une pioche. Ça demande un dos solide. Et ça demande de la bonne volonté. Et c'est ce que Abraham il a dans son cœur. Quand on est un homme de Dieu, on a de la volonté. Quand on est un homme de Dieu, alléluia, on a des efforts. Quand on est un homme de Dieu, on sait les instruments qu'on a besoin pour nos familles et pour nos foyers, alléluia. Que Dieu te bénisse, donne tout à tes enfants. Mais comme homme de Dieu et femme de Dieu, il faut avoir l'essentiel pour eux.
Et puis il creusait, il enlevait la terre, il creusait, et il creusait pour avoir de l'eau. Pourquoi ? Et pourtant Abraham, il était dans les terres des Philistins, les ennemis de Dieu. Nous sommes dans le monde, mais on ne fait pas partie du monde, alléluia. On peut se creuser des choses, alléluia, essentielles pour notre famille. Et vous allez voir pourquoi qu'Abraham creusait. Et quelle différence ! Regardez un homme de Dieu, les pensées qu'il a, c'est qu'il va creuser. Creuser, et il va dire à son fils, tu vois mon fils, celui-là, ça va être pour toi. Pourquoi ? Parce qu'Abraham avait plein de brebis, oui, il devait boire. Parce qu'Abraham avait plein de serviteurs, oui, parce qu'il devait boire. Mais Abraham était spirituel. Il savait que si demain son fils combattait avec les Philistins, c'est pas un sandwich qu'il leur fallait, mais c'était de l'eau pour se désaltérer. Et Abraham connaissait l'essentiel au milieu du combat. Il a dit, aujourd'hui on n'est pas en guerre, mais si demain on l'est, j'ai de l'eau en abondance. Il avait des sentiments spirituels. Regardez la différence avec Nimrod. Dans le livre de Genèse, il a réuni le peuple et il a dit, construisons-nous une tour qui touche le ciel. Faisons-nous un nom afin qu'on ne soit pas dispersés. Les hommes qui ne sont pas de Dieu veulent construire en hauteur pour se faire voir. Mais les hommes de Dieu construisent en profondeur pour rester cachés. La hauteur, Dieu la détruit. La profondeur, Dieu fait jaillir. Alléluia. C'est pour ça que Dieu n'aime pas l'arrogance, Dieu n'aime pas l'orgueil. Il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Mais celui qui creuse, imaginez-vous, le grand Abraham. Le grand Abraham, le plan de Dieu. Abraham, Isaac, Jacob. Le plan ! Il était lui, avec une pelle en train de retirer de la boue, lui et Sarah remplis de terre, les mains remplies de boue, mais il savait pourquoi qu'il creuse. Son travail, il savait pourquoi qu'il faisait. Et il va se passer un fait dans la parole de Dieu. Et j'aimerais le lire avec vous, alléluia. Savoir l'héritage en connaissant l'essentiel. Pour nos vies et pour nos cœurs, alléluia. Puisque il est l'essentiel, alléluia. Amen. Pour nos cœurs et pour Amen. Nous. Et pendant que Abraham est bien creuse des puits partout où il allait, il connaissait l'essentiel. Et le temps vient où Abraham va vieillir et qu'il va bientôt mourir. Et pendant que Isaac, son fils, doit l'enterrer. Les Philistins vont en profiter de quelque chose. Ne sous-estimez jamais l'ennemi. Il faut toujours l'observer. Soyons toujours comme au temps de Néhémie. Une main avec l'épée et une main pour bâtir. Ne tournez jamais le dos à l'ennemi. Ne mettez jamais vos deux mains dans le travail. Parce que vous aurez le dos tourné. Mais essayez de travailler pour pouvoir aux besoins de votre famille. Mais tenez l'épée pour protéger aussi votre foyer. Tenez l'épée de la parole de Dieu. Ne tournez jamais le dos à l'ennemi. C'est ce qui va se passer. Quand Isaac va s'occuper de son père, la Bible dit ça. Genèse 26. Au verset 12, Isaac s'éma dans ce pays et il recueillit cette année le séduit, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichir de plus en plus jusqu'à devenir fort riche. Il avait des troupeaux, des menus, des bétails, des grands en nombre, aussi que les Philistins lui porteront envie, c'est-à-dire les Philistins étaient jaloux de Isaac. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père du temps d'Abraham, son père, les Philistins, écoutez-moi bien, les combleront et les rempliront de poussière. Abimélec dit, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Isaac partit et campa dans la vallée de Guérar, où il s'établit. Et Isaac, écoutez-moi bien, creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et qui avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham, et il leur donna les mêmes noms. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pendant que Isaac allait enterrer Abraham, les Philistins se sont parlé entre eux, et ils se sont dit, regardez ce qu'on va faire. On va prendre des pelles,
et on va remettre la terre dans les puits. Comme ça, Isaac et ses serviteurs, ils auront pu avoir. Et ils vont avoir soif et ils vont se fatiguer. Ils avaient fait un plan, ils étaient jaloux sur lui. Et quand Isaac arrive et il voit que le puits de son père est comblé de terre, et il est là, et vous savez, la terre avec de l'eau, ça fait de la boue. Et pour retirer la boue du puits, c'est plus un dos qu'il faut, c'est une tractopelle tellement que c'est lourd. Alors il s'est dit, mais comment je vais faire? Regarde les Philistins ce qu'ils ont fait parce qu'ils sont jaloux sur nous. Ils ont pris la terre, ils ont pris la boue et ils l'ont mis dans le puits. L'héritage que mon père m'a donné. Mais comme Abraham, alléluia, est le fils d'un homme de Dieu, alléluia. Amen. Il ne se laisse pas faire facilement, alléluia. Amen. Il a vu la boue et il n'a pas eu peur. Vous savez ce qu'il a fait? Il a relevé les manches, alléluia. Il a préparé son petit foyer, il a préparé ses serviteurs, et il a dit, ramenez-moi les pelles et les pioches. Pourquoi? Parce qu'on va retirer ce que l'ennemi a semé. Amen. On va retirer ce que l'ennemi a fait rentrer dans le puits. Car en dessous, il y a de l'eau et de l'eau pure. C'est mon père qui avait creusé. Et ici, quand on buvait, on était désaltérés. Je veux qu'on retire la boue. Et là, Isaac, un homme de Dieu, il commence à retirer la boue. Mais il la retire avec un sentiment dans son cœur en disant, mais c'est pas possible, qu'est-ce que l'ennemi peut faire? Et puis là, il est un peu énervé, je le vois devant moi, excusez-moi, je ne vous fais pas de théâtre, mais il l'enlève parce que c'est pour l'héritage de son père. Il l'enlève parce qu'il sait qu'il y a de l'eau pure. Il l'enlève parce qu'il sait qu'il y a l'essentiel pour lui, pour ses brebis et pour son foyer. Et il enlève, il enlève, il a de la volonté, vous savez pourquoi? Parce que ça vient de son père. Il a de la volonté parce qu'il sait que son père, pendant des années, il savait plus ce que c'était un repas à midi, un repas le soir. Pendant des années, il savait plus ce que c'est se réjouir avec ses amis et avec sa famille. Parce que donc, pendant des années, il était là en train de creuser, caché. Abraham, on ne le voyait plus, mais il creusait pour l'héritage de ses enfants. Et avec Isaac, il y avait des nouveaux serviteurs. Faites attention aux nouveaux serviteurs. C'est-à-dire comment, Abraham? Pas les nouveaux qui viennent de sortir de l'école biblique, non. Mais les nouveautés. Les nouveaux. Le nouveau évangile. La nouvelle vision. La nouvelle vision. Les nouvelles choses, alors que la Bible dit, ne dépassez pas les anciennes bornes. Ne dépassez pas les anciennes bornes. Et avec Isaac, il y a des serviteurs, eux, ils ne veulent pas retirer la boue. Ils ne veulent pas la pierre, ils ne veulent pas la pelle, ni la pioche, ils ne veulent pas retirer la boue. Eux, ils ne veulent pas s'efforcer pour l'héritage. Eux, ils disent, toi, Isaac, fais ce que tu veux, nous, on va creuser autre chose. Et en 2 minutes, 1, 2, 3, 4, ils ont creusé un puits et ils ont trouvé de l'eau. Et vous avez vu que les nouveaux, ils font tout très vite. Abraham a mis des années. Eux, en 1 heure, un puits est construit. Mais regardez comment il s'appelle le puits que les nouveaux ont construit. Parce que comme par hasard, il donne un nom. Je ne sais pas vous, mais en ce moment, il y a beaucoup de noms qui circulent sur les réseaux sociaux. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Mais il y a plusieurs noms qui sortent. Amen. Ils donnent des noms. Ils ont des noms, les nouveaux mouvements, les nouveaux puits. Alors que nous, on le sait, il y a un puits, il y a 60 ans qu'il existe. On le connaît. Il y a 60 ans que l'ennemi veut mettre de la boue, mais on le combat. On le nettoie. On le sait lequel le protéger. Et puis ils vont donner un nom à ce puits, ils vont l'appeler Ézek. Ça veut dire qu'ils ont fait un puits, les nouveaux là, les serviteurs, ils ont bâti, ils ont pris de l'eau, ils ont dit on va l'appeler Ézek. Pourquoi tu l'appelles Ézek? Parce qu'ici on s'est disputé. Ézek veut dire dispute. Ça veut dire que tu vas à ce puits-là, mais tu te disputes. Quel beau puits. Tu t'imagines mon frère? On va boire un verre d'eau, moi et toi, mais on se tue au puits. Mais j'ai plus envie d'y aller, moi, à ce puits-là. Tu veux y aller, toi? Il y a de l'eau, mais il y a des disputes. Il y a de l'eau qui jaillit, mais tout le monde se tue. Il y a de l'eau en abondance, tu vois la source, elle est pure, on dirait un ruisseau, mais tout le monde se tue. Il n'y a que des disputes.
Et faites attention à ceux qui sont nouveaux. Il y a un puits, mais ça se dispute du matin au soir. Ça se dispute entre eux. C'est pour ça que Philippiens 1, verset 15 dit, « Il est vrai, quelques-uns prêchent Christ par envie ou par esprit de dispute. » C'est-à-dire que les nouveaux, le nouveau mouvement prêche Christ. Ils annoncent la parole de Dieu. Mais il y a en eux un esprit de dispute, c'est-à-dire à l'instant où tu veux dire quelque chose, ils sont contre toi, ou ils sont contre vous, ou contre nous. Et il y a en eux un esprit de dispute. C'est pour ça que la Bible dit, car là où il y a un zèle amer, il y a un esprit de dispute et toutes sortes de désordres. Ils ont envie de prêcher Christ, mais à leur façon, à leur manière. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont à la source d'eau, à Ézec. Ils sont dans les disputes. Ça veut dire qu'il y en a aujourd'hui, ils se sont fait une vie chrétienne, mais Ézec, leur cœur, c'est le puits d'Ézec. Je suis chrétienne, je suis pour Dieu, mais je me dispute avec tout le monde. Je ne suis pas d'accord avec tout le monde. Je ne suis pas à la même règle que tout le monde. Ça veut dire qu'on est à Ézec. 1 Timothée 2, verset 8. Je veux donc que tous les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère et sans dispute. Pourquoi, Seigneur, tu veux que je lève mes mains? Parce qu'il n'y a que tes mains qui vont me prouver s'il y a de la peau dessus. Il y a des mains qui brillent. Il y a des mains comme les diamants, comme le sunakai. Pourquoi, Seigneur? Parce qu'ils ne veulent pas retirer la peau de l'ennemi. Ils veulent de la nouveauté. Alors je veux qu'à chaque réunion, vous levez les mains et je reconnaîtrai ceux qui travaillent dans le vrai puits. Je reconnaîtrai ceux qui ont de la peau sur les mains. Et je dirai, lui, tous les jours, il nettoie le puits où l'ennemi a semé. Il travaille pour la véritable eau. Sans murmure et sans colère. D'ailleurs, la Bible va aller encore plus loin. Comment prétends-tu aimer Dieu que tu ne vois pas, alors que tu haïs ton frère que tu vois? Il va aller encore plus loin, mais ce n'est pas encore mon message. Et tellement qu'ils sont dans le mouvement, ils sont très rapides, les nouveaux. Attention, ils sont très rapides. Ils vont loin. Un orgueilleux, il ira toujours loin. Plus loin que tout le monde. Mais à la fin, c'est l'échec. Vaut mieux avancer au pas de Jésus. Il nous a laissé des empreintes. Il y a juste à marcher dessus et les suivre. Alléluia. Ils vont faire un deuxième puits. Ils sont très rapides, les nouveaux. Méfiez-vous des nouveaux. Ils sont très rapides. Ils font un deuxième puits. Et le deuxième puits, ils vont l'appeler Sidna. C'est-à-dire ici, c'est Sidna. Un nouveau nom. Ça veut dire quoi, Sidna, Abraham? Ça veut dire querelle. Je bois de l'eau, mais je ne te supporte pas. Excuse-moi, je ne te supporte pas. Ah, Seigneur, tu es la source d'eau vive. Je ne peux plus voir, je ne peux plus voir. La source d'eau vive, oui, éternel. Tu es ma source. Tu es mon bien. Puis d'un coup, je ne peux plus voir. Cette nouveauté de vie, aimer Dieu sans nous aimer les uns les autres, aimer Dieu sans pardonner, aimer Dieu sans s'humilier, mais c'est une nouveauté de vie. Alors que Jésus nous a dit que le plus grand parmi vous soit le plus petit. Amen. Si on te frappe sur la joue droite, donne la joue gauche. Si on te demande ta veste, donne aussi ta chemise. Alléluia. Contraire à ce que Dieu a dit. On boit de l'eau, mais on n'est pas d'accord avec lui. Il n'est pas la véritable source. Vous vous rappelez de la Samaritaine qui a parlé à Jésus? Vous vous dites... Ah oui, elle avait son puits, elle. C'était le puits de Jacob. Vous vous dites sur les Juifs qu'il faut adorer au temple, et nos pères ont adoré sur les montagnes. Vous vous dites, et puis il y a les nouveaux qui disent ça, vous vous dites ça, vous vous dites ça, mais nous on dit ça. Ah, d'accord, alors Jésus va aller au clair. Tu veux parler comme ça? Celui qui boit de cette eau va toujours soif.
mais l'eau que moi je donne jaillira jusqu'à dans la vie. Dis amen. Amen. Elle est venue avec ses principes, elle est venue avec son caractère, elle croyait qu'elle pouvait faire sa vie, elle croyait qu'elle pouvait vivre comme elle voulait, mais elle a dit, vous vous dites, elle était coupée des Juifs, ils n'avaient pas de relation les Juifs et les Samaritains, ils ne pouvaient pas supporter, mais Jésus par amour, il va au puits, alléluia. Il va et pourtant il a faim, gloire, va manger Seigneur, t'attendais par les noms, quand j'aime, je préfère me priver. Pour aller lui parler. Ça, c'est l'amour de Dieu. Pour Dieu. Celui qui boit de cette eau aura toujours soif. Mais l'eau que moi je donne jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. Amen. Elle a abandonné la cruche et elle a dit, donne-moi de cette eau. Amen. Donne-moi de cette eau. Les querelles. Qu'est-ce que dit la Bible sur les querelles? Proverbe 18, verset 19. Les querelles d'une famille sont comme les villes impénétrables, comme Jéricho, où le mur faisait 7,50 m d'épaisseur, que deux chars de chevaux se croisaient sur le mur. On ne pouvait pas le détruire. Mais par un cri du peuple, Dieu l'a renversé. Alléluia. Les querelles d'une famille sont comme les verrous d'un palais. C'est-à-dire, quand il y a des querelles dans une famille, le verrou est fermé. Et moi, je l'écoutais dire dans ma propre famille, de dire, je jure sur mes petits, pardon ce que je dis, je jure sur un tel, le premier qui leur reparle, je vous tue un par un. Vous leur parlez plus, c'est fini, c'est devenu nos ennemis, c'est plus notre famille. Maintenant, c'est nos ennemis, et puis regardez, un tour, je pardonnerai pas, deux tours, je pardonnerai pas, et je jette la clé, et c'est fini, plus personne pardonne. Mais lui, il ne sait pas, c'est qu'à 2 mètres de lui, Jésus était là, et qu'il a attrapé la clé, et qu'il l'a gardée, et il l'a fait pour toi aussi. Et tu avais à dire ce matin, mais comment je peux faire pour pardonner? J'ai juré, j'ai perdu la clé. Jésus te dit, j'ai la clé. Alléluia. Je l'ai gardée. Comment ça se fait que tu as la clé, Seigneur? Isaïe 45, verset 1. J'envoie mon serviteur Cyrus qui représente le Christ. Il ouvrira les verrous des palais. Il est la clé. Il est la clé des querelles. Il y en a qui sont assis de nain, mais qui ne veulent pas pardonner. Il y en a qui ont changé d'église, changé de pasteur. Je me sens libre ce matin, changé de région, parce qu'ils ne veulent pas pardonner. Dieu va te nourrir pour un moment, parce qu'il est le Dieu d'amour. Il va guérir ton cœur blessé, parce qu'on t'a fait du mal, mais il te donnera la clé. Ouvre le verrou maintenant, je te pardonne. Mais il y en a qui ne veulent pas de ces clés. Ils veulent rester à Sidna, là où il y a des querelles. De toute façon, dans le spirituel, au moment où tu seras le mieux, et tu fermeras les yeux, tu verras apparaître les gens qui t'ont fait mal, pour que tu puisses prier pour eux. Pour avoir des sentiments que Dieu dépose en nous. Alléluia. Je ne veux pas le voir en vrai, c'est pas grave, Dieu te l'amènera en spirituel. Parce que Dieu mettra tout en œuvre. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement la voie de ses ennemis. Ça veut dire quoi? Quand tu décides de pardonner, Dieu prépare le pardon. Et quand Dieu prépare, la Bible dit qu'il fait tout à merveille. Amen. Ils sont assis de nain. Et puis en plus, les nouveaux, ils vont faire un troisième puits. Ils sont rapides, hein? Un troisième mouvement, incroyable. Quelle rapidité, les nouveaux. C'est incroyable. Tu sais, les nouveaux, ils ne lisent même plus la Bible, vous savez. Ils vivent de leurs sentiments. Parce que la flétrissure, si vous vous renseignez, c'est une marque qui n'a plus de conscience. Il faut dire, on est libre. Je ne suis pas repris. C'est-à-dire, ce que Paul a dit, il le garde pour lui. Moi, je prends ce que Jésus a dit. Et Jésus seul. Mais si tu ne prends pas ce qu'il a dit Paul, et que tu prends ce qu'il a dit Jésus, tu ne prends pas la Bible tout entière. Et on tord le sens de l'Écriture. La Bible, elle est tout entière. Et la Bible, elle est pour tout le monde. Amen. Amen. Nous devons accepter ce que la parole de Dieu nous dit. Amen. Et là, il trouve un troisième puits, il l'appelle Réhoboth. C'est-à-dire, ils ont refait un puits, vite fait, comme ça, tac, 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 l'eau est venue, c'est bon. On est à Réhoboth, et il boit de l'eau. Ça veut dire quoi, Réhoboth, Abraham? Réhoboth, ça veut dire large. La vision large.
Et les nouveaux, ils ont la vision large. En vérité, si c'est large, on peut mettre tout le monde. On peut travailler avec tout le monde. On peut faire tout, c'est large. Large et spacieux, le chemin qui mène à la mort. Mais étroit et serré, le chemin qui mène à la vie. Et très peu l'y prennent. Large et spacieux. Mais le vrai texte du mot large, c'est dégagé. Ça veut dire, du mot large, t'es dégagé. Non, Seigneur. Si, large veut dire dégagé. Un jour, je parlais avec un frère au téléphone, et il a eu une petite querelle, un petit conflit dans l'église, et on se parle. Il dit, Abraham, écoute. Je dis, oui, j'écoute, qu'est-ce qu'il y a? Moi, je dégage d'ici. Du Seigneur, il est arrivé à votre. Pourquoi, frère? Ça y est, j'en peux plus. Moi, je veux faire autre chose. Il avait la vision large. T'es sûr? Oui. Je veux dégager. T'es sûr de ce que tu veux? Je veux dégager. Fais pas ça, mon frère. Le Seigneur va t'aider. Proverbe 18, verset 1. Celui qui se met à l'écart cherche son propre intérêt. Alors que Jésus nous a dit chercher l'intérêt des autres. Parce que quand on appartient à Christ, on ne vit plus pour nous-mêmes, mais on vit pour les autres. Alléluia. Réamorte. Le troisième puits dégage large, la vision large. Et pendant tout ce temps-là, Isaac, il est dans la boue, et il enlève. Et il enlève. Et il enlève. Regarde, ma femme, ce que l'ennemi voulait semer. Regarde. Il ne voulait plus qu'on prie. Regarde. Il ne voulait plus qu'on jeûne. Il ne voulait plus qu'on se sanctifie parce qu'on est pasteur. Regarde, il ne voulait plus qu'on ait une vie consacrée. Il ne voulait plus. Regarde l'ennemi, ce qu'il voulait semer. Il nous faisait croire qu'on pouvait être à l'aise et qu'on pouvait vivre tranquille. Sans se soucier de l'ennemi, c'est incroyable. Regarde qu'est-ce que l'ennemi il a semé. La vie légère, regarde mon mari, la vie légère. On n'avait plus d'importance pour les choses de Dieu, c'est les choses du monde qui nous importaient. Regarde, et on enlève, et on enlève, et on enlève, et on enlève. Vous savez pourquoi qu'il a enlevé? Parce qu'il était le fils d'Abraham. Alléluia. Il avait pour modèle, alléluia. Et nous aussi, on a eu des Abraham dans notre vie. On a eu des pères qui se sont levés. Alléluia. Comme Blas, comme Mao, comme Philippe, les anciens de cette région, ils se sont levés et ils ont servi au dessein de l'Éternel. Comme Payon, comme Jimmy, alléluia. Comme Rumbal, comme Stevo, comme Nono, comme des hommes de Dieu, des Abraham dans la foi, ils se sont levés et ils nous ont construit des puits de doctrine, alléluia. Des puits d'amour, alléluia. Des puits de prière, alléluia, des puits de sanctification. Ils nous ont laissé un héritage. Pendant des années, on ne les a plus vus sur les mariages, ni au cinéma, ni se promener, ni au restaurant, parce qu'ils ont passé leur vie à creuser pour que nous, aujourd'hui, les Isaac dans la foi, on boit de l'eau pure. Alléluia. On boit de l'eau pure. Ces hommes, ils ont consacré leur vie pour nous. Et aujourd'hui, on n'a pas le droit d'aller à Réhoboth ni à Sinna. Nous devons retirer ce que l'ennemi a semé. Et il y a des années qu'on retire la boue du sauver une fois, sauver pour toujours. On retire la boue du souffler, du tomber, de la prédestination. Sauver une fois, sauver pour toujours. Alors que Jésus a dit, la parole de Dieu dit, nous sommes tous pécheurs privés de la gloire de Dieu. Et nous avons tous part et besoin à la repentance. Amen. Pour parvenir à la conversion. On retire depuis des années. Et un jour, j'étais en train de méditer le message. Et je voyais, comme dans un rêve, je voyais tous les anciens de la mission dans un grand puits immense. Un, il avait un marteau et un piquet, et il retirait les petites miettes qu'il y avait dans les jointures. Il fallait que le puits soit pur. Certains, je voyais sur des grandes balançoires, en train de mettre un karcher comme ça.
et purifier la pierre. Parce qu'eux, ils étaient dans le puits, ils ont passé leur vie à l'intérieur pour nettoyer. Pour que nous, aujourd'hui, on ait de l'eau pure. On ne peut pas se construire une vie à notre manière, mais nous devons suivre l'exemple. Alléluia. Jérémie 2, au verset 13. Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné à moi qui suis une source d'eau vive pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Ça veut dire que le monde d'aujourd'hui, le modernisme d'aujourd'hui, il se creuse des citernes, ils mettent de l'eau, mais les citernes sont crevassées. Et parfois, ça c'est nous, parce qu'on ne laisse pas Dieu guérir nos cœurs brisés. On vient 3 jours à la réunion, on part en mission, on va dans les séminaires et tout ce qu'on prend, on le repère. Parce que le cœur est brisé, parce qu'on veut rester à Sinna, parce qu'on veut rester à Réhabot, le cœur n'est pas réparé. On ne veut pas réellement réparer les blessures d'avant et on veut faire comme le nouveau. Si tu m'embêtes, je dégage. Si tu m'embêtes, je parle sur toi. Si tu m'embêtes, je peux te faire du mal. Alors que le psaume 87, 7 dit « Tous mes sources sont en toi, Seigneur, car auprès de toi est la source d'eau vive. » Alléluia. Amen. Toutes mes sources sont en toi, ça veut dire « Il est le véritable. » Et vous savez, quand on a un puits, moi je descendais souvent parce que j'avais une pompe qui donnait de l'eau dans toute la maison. Et quand la pompe se désamorçait, alors on n'avait plus d'eau, il fallait descendre dans le puits. Et vous savez, pendant un moment, quand on prend la pelle pour retirer la boue, à un moment donné, la pelle ne passe plus. Tu es obligé d'avoir une petite roulette, tu es obligé d'avoir, écoute-moi bien, une corde et un petit seau. Et ce seau-là te permettait de récupérer de l'eau, mais ce seau-là te récupérait aussi la boue qu'il y avait à l'intérieur. Écoutez-moi bien, arrivé à un moment, tu ne pouvais plus passer la pelle. Tu étais obligé, je vous demande pardon, de te mettre à genoux. Oui. Et de prendre la boue avec la main et de remplir le seau. Mais par contre, il fallait être à deux, tu ne pouvais pas tout seul. Et quand tu remplissais le seau, tu étais obligé de dire « Tire la corde !» Elle n'entend rien. « Tire la corde !» Seigneur, elle n'entend rien. « Tire la corde !» Alors tu sors, toi, tout énervé. Ma femme tire la corde. Elle a un catalogue. Regarde les nouveaux canapés. Ils sont électriques. Regarde les rideaux. Ils sont brillants. Ça serait beau dans la maison. Et ta mari, il est là, il souffre. Ma femme, si tu veux pas que ton fils soit drogué, si tu veux pas que ta fille soit divorcée, tire la corde. Amen. Amen. Je suis en train de retirer ce que l'ennemi a semé chez nous. Tire la corde. Alléluia. Tire la corde. Tire la corde. On prête plus attention à ça. Et vice versa, si c'est la femme, tire la corde, mon mari, tire la corde. Et puis il n'écoute pas lui aussi. Puis elle arrive, la femme, mon mari, tire la corde. Chut, tais-toi, chèque, monsieur, tais-toi. Oui, monsieur, parle-moi. Bien sûr. Bien sûr, on peut le faire. Bien sûr, on va le faire. C'est comme ça. Chut, tais-toi, parle pas, c'est monsieur, parle pas. Et là, t'as la femme qui est à bout. T'es en train de dire, mais tu vois pas que t'as été pris par le monde. Tu vois pas que le monde est rentré chez nous. Avant, on se contentait de ce qu'on avait. Maintenant, on en veut trop. On a perdu tout, l'essentiel, le spirituel. Tire la corde, mon mari. Tire la corde. Tire la corde si tu veux qu'on retire ce que l'ennemi a semé. Tire la corde. Et là, tu remplis le seau et t'enlèves. Et t'enlèves. Je me remets à genoux et puis là, tu prends avec ta main la boue. Et tu dis, c'était tout ça ce que l'ennemi avait semé dans mon cœur. Tu jettes. C'était pour ça que je ne parlais plus avec mes beaux-frères. C'est pour ça que j'étais jaloux sur les chrétiens. Gloire à Dieu. Et tu prends. C'était pour ça que j'avais plus envie de prier. Regarde le caractère que j'avais attrapé. Et tu jettes dans le seau. Et puis tu vois ta vie, tout ce qui était semé dans ta vie. Et tu mets dans le seau et puis tu retires.
Et puis tellement que tu grattes, t'es arrivé à un moment, tu palpes l'eau. Alléluia. Amen. Tu palpes l'eau. Tu sens dans ta main que l'eau est revenue. Amen. Vous savez ce qu'il est dit dans Apocalypse 21 ? L'eau qui descend du trône de Dieu. De la grâce de Dieu. Et cette eau-là, il est pur. Quand tu le prends et tu le donnes à ta famille, c'est la vraie conversion. C'est le vrai témoignage. C'est la vraie relation entre nous et Dieu. Il n'y a pas de factice, il n'y a pas des petites miettes dedans, debout, non. L'eau est pure. Il est purifié. Et c'est ce que l'ennemi veut faire aujourd'hui. Il veut combler nos puits, notre héritage par de la boue. Je travaille, comme je vous ai dit, dans les ringards. J'ai rentré dans plein de jardins. Vous savez ce qu'ils font maintenant, les gadgets ? Qu'ils ont leur puits comblé ? Vous n'allez jamais le croire. Ils décorent le puits. Ils mettent des pots de fleurs. Ils mettent un petit seau en bois. Et puis, tu es prêt à le prendre en photo. C'est décoré. Jusqu'à quand tu vas décorer ton foyer ? Jusqu'à quand tu vas mettre des pots de fleurs ? Jusqu'à quand tu vas décorer, tu vas faire croire à tout le monde qu'on peut prendre de l'eau alors que c'est bouché ? C'est rempli. On ne peut pas y avoir accès. La mission nous a appris à ne pas décorer notre puits. Amen. Mais afin que tout le monde puisse voir. Amen. Et aujourd'hui, je fais cet appel qui est fort dans mon cœur. Nous avons eu des pères spirituels dans notre vie. Et ils ont payé le prix. Je n'ai pas le droit de vivre le nouveau mouvement. Je veux rester à l'essentiel. Je veux d'à partir d'aujourd'hui que plus personne m'embrouille, que plus personne me séduit par leurs paroles ou par leurs discours. Mais je veux rester au puits, là où nos pères ont payé le prix. Car c'est le véritable. C'est le vrai que tu m'as donné. C'est le vrai. Et aujourd'hui, je vous le dis en vérité. Pardon, Seigneur, pour ce que je vais dire. Je parle de tout mon cœur. Si on a tout laissé pour Dieu, c'est pas pour vivre le faux. Mais c'est pour vivre le vrai. Amen. Je veux pas demain que la division parvienne chez nous, dans mon foyer. Je veux pas que la flétrissure frappe ma conscience et me condamne plus sur rien, mais je veux être repris dans mon cœur lorsque je fais quelque chose de mal. Je veux que le Saint-Esprit agisse dans ma vie. Je veux être repris par la parole de Dieu. Je veux boire, je veux être désaltéré, je veux être à la vraie source. Je veux pas marcher comme ça, voir la réunion. Je veux venir à un coup. Je veux dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Amen. J'ai besoin de réaliser ton salut. Et aujourd'hui, peut-être, je dis bien peut-être, peut-être, qu'une petite pensée t'a traversé l'esprit ces quelques temps. Peut-être, je dis, peut-être. Et que toi aussi, ça t'a intéressé, Réabot. Toi aussi, ça t'a intéressé, Sidna. Toi aussi, ces puits-là t'ont intéressé, mais n'y va pas. Elles ne sont pas pour toi. Viens à la source qui est Jésus. Amen. Reste à la source. Reste là où Dieu nous a placés. En ce moment, chez toi, ça parle souvent des nouveaux sources qu'on voit aujourd'hui sur Facebook, sur YouTube. Avant, quand quelqu'un rentrait chez toi, tu leur parlais de la source et pas du puits. Mais aujourd'hui, ton langage a changé. Tu parles plus du puits que de la source. Et si aujourd'hui on reprend la décision de dire, mais Seigneur, nous, nos pères, ils ont payé le prix. On est des petits Isaac. Seigneur, ce matin, je ne veux pas le feu. Je ne veux pas l'onction. Mais donne-moi la pioche et la pelle. Je veux avoir les mains remplies de boue. C'est pas grave que je suis mal coiffé du moment que je suis à la vraie source. C'est pas grave que je suis plus moderne. Je veux rester sur tes empreintes. Je veux rester dans ton champ à toi, à travailler à toi. Je veux, Seigneur, aujourd'hui, affronter tout ce que l'ennemi est venu semer. Pourquoi tu dis c'est fini, je pardonnerai plus ? Pourquoi t'as fermé le puits ? Pourquoi tu dis ça ? Pourquoi ?
Vous savez que le pardon est une puissance de Dieu. Amen. Pourquoi tu dis j'y retournerai plus? Plus jamais. Pourquoi? Pourquoi tu dis ça dans ton cœur? Pourquoi tu veux vivre le nouveau? Qui t'a appris cela? Nous voulons obéir à ta parole et la prendre tout entière. Amen. Si Dieu veut nous réprimander, je veux être réprimandé. Amen. Seigneur, excuse-moi. Je reprends la pioche et la pelle. Amen. Je veux travailler pour la doctrine. Amen. Je veux travailler pour la foi sincère. Amen. Je veux travailler pour la sanctification. Je veux travailler pour la vie. Amen. Ce matin, dans la simplicité. Dans la simplicité, Dieu Amen. Sait. Attention. Si tu t'engages à le faire, tu seras au véritable puits. Tu auras de la boue partout. Tu seras plus moderne comme avant. Mais le verre d'eau que tu vas donner, il va jaillir jusqu'à dans la vie. Ça sera du vrai. Ça sera du pur. Ça sera de l'essentiel. Ça sera le puits que nos pères ont construit. Qui voudrait placer aujourd'hui dans son foyer, dans son ministère, dans son église, la pelle et la pioche que Dieu veut nous donner? Moi, je le veux. Gloire à Dieu. Amen. C'est vrai. C'est sincère. Amen. C'est vrai. Amen. Je vous préviens de quelque chose, et on prie le Seigneur. Dans Apocalypse, Jésus dit, ce que j'ai en horreur, c'est l'œuvre des Nicolaïtes. Nicolas, c'est un homme qui s'est converti dans la parole de Dieu, à travers le discours de Paul. Et ce Nicolas, vous savez ce qu'il a fait après sa conversion? Il a été séduit, et la flétrissure a frappé sa conscience. Il rentrait dans l'église pour faire sortir les membres. Il rentrait dans l'église pour soulever l'église contre le pasteur. Et il mettait la zizanie partout. Cette œuvre-là, il faut qu'elle soit détruite au milieu de nous. Amen. Pas les hommes, mais l'œuvre. Parce que l'homme, Dieu veut qu'il y ait la repentance. Il faut que l'œuvre des Nicolaïtes soit détruite. Amen. Nous voulons vivre le vrai. Amen. Persécutés, maltraités, nous voulons avancer avec toi, Seigneur. Amen. Nous voulons subir, nous voulons accepter, mais en ton nom, Seigneur. J'aimerais que ceux qui ont levé leurs mains puissent se mettre debout un instant. Jésus, toi la gloire, Jésus. Écoutez, il n'y a que vous et nous que nous allons adresser cette prière à Dieu. Toi, tu le sais, ce que l'ennemi est venu semer dans ton puits. Relève les manches. Ne vois pas que c'est difficile, tu peux le faire. Est-ce que tu veux le faire? Oui. On le fait ensemble. Alléluia. Eh bien, commence à dire, Seigneur, pardon. Alléluia. Pardon, Seigneur. Pardon, Jésus. Alléluia. Car j'ai été séduit par mes pensées. Mais je dois rester attaché à ta parole. J'ai cherché la facilité. Alors que tu dis, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Je veux persévérer. Alléluia. Vous voulez qu'on lève les mains vers le ciel? Amen. Des pelles et des pioches vont se placer. Amen. Je veux que tu restes les mains vers le ciel. Jalolia. Nous prions le Seigneur. Dans la gloire, Seigneur. Dans la gloire. Nos pères ont payé le prix. Nos pères ont payé le prix. Je veux rester au puits que nos pères ont construit. Tes illusions vont tomber. Tes préoccupations mondaines vont se détruire. Et c'est la volonté de Dieu qui se met en action. Nous voulons vivre pour la vérité, car tu veux que la vérité soit au fond du cœur de l'homme. Nous voulons rester au véritable et ne pas se détacher pour aller au factice. Nous voulons rester dans ta volonté.
Seigneur, je m'engage aujourd'hui pour mes enfants. Je veux leur donner le véritable héritage. Amen. Je m'engage pour mon ministère, pour mon église. Je veux donner la vraie source. Seigneur, même si tout le monde est contre moi, j'irai jusqu'au bout. Tu es la vérité. Seigneur, tu es la vérité. Seigneur, tu es la vérité. J'appelle les chrétiens et les chrétiennes à élever leur voix maintenant. J'appelle les serviteurs, femmes de serviteurs, à élever leur voix maintenant. J'appelle les chrétiens et les chrétiennes de l'église à élever leur voix maintenant. Seigneur, à toi la gloire, Seigneur. Merci, Seigneur, de prier. Seigneur, de nous aider ensemble, Seigneur. Seigneur, de nous mettre dans notre travail. Seigneur, de prier à ce que la vérité paraisse. Qu'elle éclate, Seigneur, en gloire. Seigneur, au nom de Jésus. Merci tout doucement et on prie le Seigneur. Alléluia. Si c'est divisé chez toi, vis pour la vérité.